Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le 22 décembre 2022. Que des deux, R2, pardon. Bon, écoutez, c'était un moment particulier à choisir pour vous consacrer un petit peu de temps au travers de cette vidéo qui va célébrer, dans tous les sens du terme, dans tous les symboles, le retour de la lumière. Enfin, on va dire que c'est le retour de la lumière. En cette journée abondamment pluvieuse, nous avons aussi nous célébrons le jour du soleil invaincu, le sol invictus, et toutes les célébrations qui vont en ce sens, hein, les célébrations dont font partie Noël, qui viennent illustrer la victoire de la lumière sur les ténèbres, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui est le jour du solstice d'hiver, c'est donc le jour le plus court de l'année, la nuit la plus longue, mais oui, à partir d'aujourd'hui, la lumière du jour va l'emporter sur les ténèbres et c'est le retour progressif de la lumière et donc aussi d'une certaine manière de la conscience, puisque nous célébrons au travers de cette fête du sol Invictus, hein, cette ancienne fête païenne, le retour de la pleine conscience, hein, la réémergence de soi-même dans le monde, le retour de la conscience dans un monde qui en manque fichtrement en ce moment. Il est vrai que nous semblons être dans une forme d'obscurité, plutôt d'obscurantisme, merci à nos chers gouvernements. Encore que, comme je l'ai souvent évoqué au travers de mes vidéos depuis 2 ans maintenant, ce que nous vivons n'est pas si grave que ça. L'humanité a connu des périodes bien pires. Tout est vraiment relatif. Et en tout cas, du point de vue de l'astrologue, donc du point de vue des astres, avec tout le regard objectif que l'on peut apporter au niveau des astres, et bien effectivement, on se demande pourquoi nous paraissons vivre dans un monde obscurantiste, alors que les astres nous mènent bien au contraire vers une nouvelle dynamique. Alors, petite vidéo où je vais essayer de synthétiser à la faveur de ces symboles du jour le plus court, mais surtout du retour de la lumière, le climat de l'année 2023. Quelle ambiance nous promet cette année 2023? Alors, je risque de me répéter, mais après tout, c'est comme une publicité, hein. La publicité, c'est un matraquage incessant pour arriver à comprendre. Oui, je suis un incorrigible optimiste, mais surtout, je ne peux pas être autrement quand on est astrologue, qu'on regarde le mouvement des astres et que l'on sait que l'on va vers du mieux. Et qu'en fait, on est déjà dans ce mieux, un mieux-être que nous avons acquis depuis le printemps de cette année, hein, depuis le printemps 2022, depuis la Pâque, hein, la pleine lune de Pâque, qui a vu quand même l'effondrement de toutes les lois restrictives pour un retour vers une vie que l'on souhaite meilleure et que l'on va continuer tous ensemble à rendre meilleure. Hein. De toute façon, les parties les plus difficiles, on va dire que c'était vraiment à l'année 2020, 2021, oui, et ça va ne faire que s'améliorer, nonobstant, nonobstant, nono, les petits aléas que nous pourrons encore traverser durant cette année 2023. Alors, mon propos, là, je vais vous parler un petit peu, dans un premier temps, de la nouvelle lune, puisque cette fête du solstice s'accompagne d'une nouvelle lune. Elle aura lieu demain, mais enfin, on est déjà dedans. C'est peut-être pour ça que le ciel est en train de se décharger, hein, c'est très sombre. Donc, une nouvelle lune qui est quand même un petit peu tendue, il faut le reconnaître. Alors, tendue, c'est pas non plus la fin du monde, hein, mais quoique, ça peut peut-être être la fin du monde.
enfin d'un monde voulu par certaines puissances. Mon deuxième point sera de parler un petit peu des mythes qui entourent l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne, que représente le symbole du Capricorne. Mon troisième point va s'attarder sur l'ambiance climatique de cette année 2023 qui s'annonce. Et puis je terminerai par un petit point un peu plus actu, USA, hein, puisque là les USA ça va bouger pas mal. Ça commence déjà à bien bouger depuis, de toute façon depuis les élections de mi-mandat. Et puis un petit topo sur la France. Voilà, hein, donc ça fait très, très universitaire, grand 1, grand 2, grand 3, grand 4. Écoutez, il faut bien donner un petit peu de structure, de rigueur. D'ailleurs, nous sommes dans le signe du Capricorne gouverné par Saturne, et Saturne nous demande de l'ordre. Alors donc, premier point de cette nouvelle année. Alors déjà, ben voilà, vous voyez ma petite image que j'ai choisie, une petite enluminure qui représente justement le soleil invaincu, hein, le sol invictus qui est au centre et qui baigne de sa lumière les 12 signes du zodiaque. Voilà. Alors le ciel d'aujourd'hui, eh bien le voici. Le soleil donc rentre ben là dans une demi-heure. Non, il est là, ça y est, maintenant, à l'instant, il rentre dans le signe du Capricorne, donc le signe cardinal du Capricorne qui est celui de la régénération. Alors, le signe du Capricorne, pour faire une petite allusion sur les mythes qui tournent autour, vous savez, le symbole, hein, c'est une chèvre, c'est un hybride mi-chèvre, mi-poisson, hein, qui est en soi d'ailleurs un symbole de lubricité, de fertilité. En général, le queue de poisson, c'est toujours un synonyme de fertilité. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le fait que c'est en ce moment où nous pratiquons le plus de gymnastique au lit. Voilà, et ça n'a strictement rien à voir avec le fait que 9 mois plus tard, nous aurons le pic de natalité de l'année, puisque malheureusement, pour moi, hein, allez, je vais le dire, le signe le plus représenté dans nos latitudes, eh bien, c'est le signe de la balance. Voilà. Pourquoi? Parce que le signe de la balance, eh bien, c'est 9 mois après le Capricorne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, un signe de fertilité, un signe de lubricité, mais c'est surtout le moment où le soleil lui le moins dans la journée, donc c'est le moment de plus grande obscurité, mais c'est dans cette obscurité aussi que nous régénérons. Nous avons besoin de régénération. Ça n'est pas pour rien s'il y a une alternance nuit-jour, c'est bien la nuit que l'on recharge les batteries. Voilà, donc la nuit est nécessaire pour pouvoir affronter le jour qui se lève, le jour qui arrive. Voilà. C'est avec le symbole du Capricorne, vous savez, c'est la graine qui germe. C'est vraiment cette image que l'on peut retenir de la graine qui germe. Là, il y a le petit germe. Et le germe, c'est quoi? Sinon le fait de percer la matrice. Quelque part, c'est le symbole de Mars, la planète Mars, vous savez, le phallus qui est brandi. Et c'est sans doute pas pour rien que la planète Mars est exaltée dans le signe du Capricorne. Parce que Mars, c'est le germe, c'est le glaive qui perce la matrice, c'est le glaive qui perce l'utérus, qui va enfin pouvoir donner naissance à l'être que nous sommes. Donc ce sont des symboles extrêmement importants dans le cycle de vie, dans le cycle d'éveil des consciences de l'humain, tout simplement. Hein, voilà. Avec le signe du Capricorne, on pense aussi au mythe autour du dieu Saturne, vous savez, le dieu Chronos chez les Grecs, qui, de peur de perdre le pouvoir, d'être détrôné par ses enfants, chaque fois qu'ils sortent du ventre de leur maman, il les avale. Alors, il les avale, il ne les
croque pas, hein, il ne les mâche pas, il les laisse parfaitement intacts, il fait que les avaler, et dans son ventre, eh bien, ses enfants vont continuer à grandir, ils maturent, si bien qu'au moment où leur petit frérot, qui va être épargné par une ruse de sa maman, de la gloutonnerie du papa, vous savez de qui je parle, il s'agit de Zeus, le petit Jupiter chez les Romains, qui va faire boire un liquide hémitique à son gourmand de papa afin de le faire vomir tous les garnements qu'il avait avalés. Et quand il les vomit, eh bien, il les vomit adultes. Ce qui fait que dans le Saturne, dans les transits de Saturne en astrologie, quand nous sommes dans la grotte, nous sommes dans la grotte, mais nous continuons à grandir. Pour les sportifs, les plus sportifs d'entre nous, ils savent, hein, notamment ceux qui font du fitness, de la musculation, du culturisme, ils savent que le moment où le muscle se fabrique, c'est lorsque nous dormons. Hein, donc il y a une maturation qui se crée la nuit. Et c'est bien pour ça que ces mois d'hiver sont extrêmement importants en astrologie, parce qu'ils préparent le lendemain, ils préparent notre vie d'adulte. Avis à un certain garnement qui joue les princes à l'heure actuelle. Voilà, il serait bien temps qu'il grandisse, qu'il perce la matrice, hein, qu'il quitte un petit peu les jupons de maman, enfin de maman ou de chou, enfin je ne sais pas trop qui c'est, mais bon, voilà, parce que ça lui ferait le plus grand bien. Et puis à nous aussi, au passage. Voilà, donc ceci étant dit, on peut dire quand même que ces périodes d'obscurité où nous grandissons, c'est aussi pour nous un test de notre foi, hein, puisque effectivement, ce n'est pas des périodes où on est très très bien, on est un peu déprimé, on est un peu down, parce que tout simplement, l'idée qui prédomine, c'est justement de profiter de ces périodes d'accalmie, d'obscurité, pour se régénérer, pour se reposer et commencer à concentrer notre vitalité, nos futures forces pour les actions que nous allons pouvoir bientôt mettre en œuvre avec le printemps, quand la graine, quand le germe aura percé le sol, hein, deuxième matrice, percé le sol pour pouvoir s'épanouir et donner la plante qu'elle est censée devenir. Mon Dieu, que je suis inspiré aujourd'hui. Allez, on continue. Voilà, ça c'était les éléments autour de ce symbole de la chèvre poisson. Je vous signale que dans quelques jours aussi, nous allons vivre une fête qui était autrefois extrêmement importante pour les Grecs, qu'il l'est devenu pour les chrétiens, c'est ce que l'on appelle la fête de la Chandeleur, c'est au mois de février, c'est le retour symbolique de Perséphone qui a été kidnappée par Pluton, le dieu des enfers, enfin Hadès, le retour de Perséphone vers sa maman. Bon, alors ça c'est peut-être pas la meilleure chose qu'elle a fait. Bon, il n'empêche que Perséphone, oh la pauvre, elle a été kidnappée par le dieu des enfers. C'est terrible, oui, sauf que elle a été un petit peu complice dans l'histoire. Parce que la pauvre Perséphone, en fait, de sa mère, elle n'en pouvait plus. Elle étouffait et elle avait besoin de percer cette matrice, justement. Alors, elle n'y arrivait pas toute seule, bah, comme elle n'était pas trop moche non plus, hein, je crois qu'elle s'était présentée à Miss Olympe et elle était sur le point de. Je crois même qu'elle a remporté le concours. Hein, elle est devenue Miss Olympe. Alors je ne sais plus de quelle année c'était. Peu importe. En tout cas, tout ça pour vous dire, c'est que en maillot de bain, Perséphone, elle est fichtrement sexy. Et comme Pluton, bah, dans ses enfers, dans ses mondes souterrains, il s'ennuyait terriblement, v'là-t-y pas que le jour où il l'a croisée et qu'il a vu cette bombasse prête à être cueillie, eh bien, il n'a pas laissé passer l'opportunité, il l'a kidnappée, il a fait son affaire avec, hein, mais elle était très consentante, parce qu'elle était aussi très contente de quitter maman. Et en retour, Perséphone, qui n'était que la fille de sa mère, est devenue la reine des enfers, la femme de Pluton,
une des femmes les plus puissantes du monde. En tout cas, la plus puissante dans les mondes souterrains. Voilà. Alors après, bon, il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu affaire à une petite crise, là, une petite crise de la maman, qui a littéralement pété les plombs, qui a pété son scandale, de sorte que toute déesse de l'agriculture qu'elle était, elle a invoqué son pouvoir sur les cultures, elle a, comment je dirais, elle a gelé toutes les cultures, risquant de provoquer la famine sur Terre. Donc du coup, le roi des dieux, Zeus, a dû s'en mêler, et puis bon, il y a un petit négoce, une petite négociation entre Pluton et maman Déméter, et c'est pour ça que Perséphone, la reine des enfers, passe 6 mois dans les enfers et 6 mois auprès de maman qui n'arrive décidément pas à couper le cordon ombilical. Voilà, alors excusez-moi de parler en long, en large et en détail de tous les mythes, mais les mythes sont là pour nous raconter notre vie et notre destin quelque part. On parle ici d'archétype et l'archétype, pour conquérir sa liberté, il faut s'autonomiser, il faut percer la matrice et enfin nous pouvons devenir souverains de nous-mêmes. C'est exactement le sens de ce qui se passe en ce moment. Et particulièrement en ce tournant de 2022-2023, le solstice d'hiver, on assiste à une nouvelle lune. Eh bien, figurez-vous que l'équinoxe de printemps, nous aurons également une nouvelle lune. Alors, autant vous dire que les années où nous assistons à ces deux phénomènes concomitants sont des années de grands bouleversements, mais de bouleversements qui nous invitent. Donc, vous l'avez compris, à percer la matrice. Voilà, ça c'est extrêmement important de comprendre tout ça. Alors, mon troisième point concernant comment je dirais, tiens, alors où je vous parle, il est midi 12, eh bien, l'ambiance de l'année 2023. Nous nous acheminons toujours plus vers des cycles croissants. Il y a grosso modo 10 grands cycles en astrologie, 10 grands cycles d'astrologie mondiale. Aujourd'hui, il y en a 7 qui sont croissants. Donc ça veut dire qu'il y en a 3 qui sont décroissants. Donc ils ne sont clairement pas la majorité. Donc on est plutôt dans une forme d'élan. Et cet élan qui nous pousse justement à percer toujours plus la matrice. Comprenez donc bien au travers de toutes ces paroles que je vous livre, au travers des mythes, au travers de la dynamique cyclique des astres, qu'il n'y a absolument rien qui nous freine. Et rien ne pourra nous freiner, rien ne pourra empêcher ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, c'est nécessairement le fait de naître, le fait de renaître, une nouvelle naissance qui est promise. Et toute personne, aussi puissante soit-elle en ce monde, qui tenterait d'empêcher cette nouvelle naissance, est condamnée. C'est ce que les Grecs autrefois appelaient l'ubris. L'ubris, c'est empêcher la loi des cycles de se dérouler normalement. Comprenez bien que chez les Grecs, même le tout-puissant Zeus n'osait pas interférer dans la loi des cycles. Parce que la loi des cycles, c'est tout simplement ce que l'on appelle le destin. Et il appartient à chacun d'entre nous de s'emparer de notre destin, j'allais dire de l'embrasser, mais finalement c'est très juste, pour le transformer en destinée. La différence, c'est quoi? Le destin, on subit, la destinée, on devient libre, libre dans le programme qui nous est prévu. Vous savez, si vous vous souvenez de cette rencontre très sympathique que j'avais fait avec Christophe Jacob, j'avais utilisé cette métaphore du chêne. Voilà, nous sommes tous des glands. Oui, bon, certains le sont un peu plus que d'autres, d'accord. Mais un gland est destiné à devenir un chêne, pas un peuplier, pas un châtaignier. Pas un roseau. Un gland ne peut devenir qu'un chêne.
Par contre, il peut aussi faire le choix de demeurer un gland toute sa vie. Et je pense que, en ce moment, on est en train de se rendre compte de ceux qui veulent demeurer des glands toute sa vie. Malheureusement, ceux-là, ils finissent par pourrir et ils retournent à l'humus. Donc, quelque part, ils vont fertiliser ceux qui vont devenir des chênes. Vous voyez, hein, toute cette symbolique autour des mythes que l'on peut avoir. Alors, justement, quand on parle de percer la matrice, alors, juste avant, dernière chose quand même. Commettre l'hubris chez les Grecs, c'était le crime le plus absolu. Le crime qui était puni par le châtiment divin, pas la justice terrestre, la justice divine. Vouloir empêcher les cycles de se réaliser, c'est encourir le châtiment divin. C'est ce que les Grecs appelaient la némésis. Et je pense que vous avez déjà croisé ce terme, notamment au travers de diverses séries américaines. C'est fou comme les séries américaines, finalement, ont bien décrit les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Alors, pour revenir maintenant brièvement sur ce troisième point, mon troisième point qui est l'ambiance de l'année 2023. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons des mouvements cycliques. Il y en a presque un huitième. Il y en a un qui va devenir un huitième cycle croissant, mais c'est plus sur l'année 2024, encore qu'il va presque se faire en 2023. C'est le cycle Jupiter-Uranus. Nous allons toucher cela au niveau de l'été, mais surtout, nous avons affaire actuellement en termes de cycle à celui qui est le moins sympathique de tous, hein, je dois dire. C'est un carré décroissant entre Jupiter et Pluton, qui va nous occuper tout cet hiver et une partie de ce printemps. Et puis surtout, 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 au niveau astrologique, nous avons deux planètes, et non des moindres, les deux planètes des enfers, hein, des dieux de la mort, des dieux des enfers, Saturne et Pluton, qui vont changer de signe à peu près au même moment. Alors, retenez en tout cela que globalement, nous avons une première moitié, un premier semestre, allez, je dirais même les 3 premiers trimestres, qui seront peut-être un peu plus difficiles que le dernier. Voilà, c'est ce que l'on peut retenir. Là, effectivement, le premier semestre, surtout le premier trimestre est difficile, le deuxième, toujours un petit peu, mais un peu moins, et ainsi de suite, parce que plus ça va aller, plus on va aller vers une forme de libération qui sera contrainte et forcée quelque part si on ne l'accompagne pas personnellement. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vers la libération. Ça, c'est le premier point. Si je rentre un peu plus dans le détail, nous avons Pluton qui va changer de signe. Alors, quand Pluton change de signe, ce n'est pas tous les jours. Là, il a traversé le signe du Capricorne. Il a mis un peu plus de 10 ans pour traverser le Capricorne. Il va rentrer en Verseau au printemps prochain, d'ailleurs au moment de l'équinoxe du printemps prochain. Vous voyez le prochain équinoxe, hein, donc autour du 21 mars, non seulement nous aurons l'entrée du Soleil dans le Bélier, accompagnée d'une nouvelle Lune, hein, donc d'une conjonction Lune-Soleil, mais également du changement de signe de Pluton. Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau. Et ça ne va pas se faire tous les jours, parce que la dernière fois que ça s'est produit, c'était il y a 245 ans, à peu près au moment de la naissance d'un grand pays, d'une grande démocratie vers laquelle nos yeux vont se tourner. Il s'agit bien sûr des États-Unis. Voilà. Pluton, dans le Verseau, il va y rester 20 ans. Donc, il va sortir du Verseau pour entrer en Poissons qu'en 2043, je crois même 2044, bon, quelque chose comme ça. Peu importe, il va y rester un certain temps, 20 ans. Et tout pendant ce temps, il va nous apporter son flot de transformation à la manière du Verseau, le Verseau qui est le signe typique de la liberté, de la souveraineté et de la créativité parmi le
collectif. Le Verseau, c'est l'individu dans le groupe, où chacun doit pouvoir s'exprimer à titre individuel, à titre souverain, mais dans un collectif. Donc Pluton nous apporte un très 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 joli programme, et cette année 2023 n'en sera que le prémisse, donc c'est inéluctable. L'autre planète qui change de signe, il s'agit donc de Saturne, hein, dont je viens d'évoquer les mythes à l'instant. Saturne qui va rentrer dans le signe du Poisson. Alors, Saturne, signe qui est plutôt une planète d'éléments secs, plutôt terre, va rentrer dans un signe de flotte, le Poisson. Bon. Terre plus flotte, en général, ça fait de la gadoue. Ça veut dire ni plus ni moins que nous risquons d'assister, nous pourrons assister à partir de 2023 à la déliquescence des systèmes sociaux et politiques établis, de l'économie également, de l'économie mondiale. Donc l'entrée de Saturne dans le signe du Poisson est nécessaire pour pouvoir déstructurer toute l'ancienne matrice. Et c'est ce qui va nous permettre de la percer d'autant plus facilement avec notre glaive de souveraineté. Voilà ce que je peux globalement vous dire sur l'ambiance climatique. Donc, rappelez-vous, hein, plutôt un temps un peu plus compliqué sur l'hiver, un petit peu le printemps. Et puis, plus on va aller vers la fin de l'année 2023, plus on va aller vers un mouvement de libération. Et à partir de 2024, nous avons un nouveau cycle qui va être croissant, et en 2025, un autre. Ce qui fait qu'à la fin des fins, sur les 10 cycles dont je vous ai parlé tout à l'heure, 9 seront croissants, un seul sera décroissant. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de quoi paniquer, mais absolument pas. Nous allons vers du mieux. Mais, nous pouvons, dans ce mieux, choisir aussi, à titre individuel, de ne pas bouger, de rester bien dodo, de demeurer un gland. Voilà, ça nous appartient. C'est à chacun de nous de voir ce que nous voulons faire de notre vie. Et tout ça pour vous dire, c'est que vraiment les choses sont en train de se faire, que l'on le veuille ou non. Soit nous devenons des chaînes, soit nous restons des glands, mais un gland, à la fin des fins, bah de toute façon, il va pourrir. Donc, pour résumer, nous n'avons pas d'autre alternative que d'aller de l'avant et nous allons y être contraints. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Pour finir, concernant donc les USA, eh bien les USA, oui, je l'ai déjà dit, c'est là que ça va bouger cette année. Nous sommes en plein retour de Pluton. Il y a donc beaucoup de choses qui sont cachées en ce moment, beaucoup de mouvements souterrains. Et c'est comme les plaques tectoniques, hein, elles sont toujours en mouvement, elles bougent, puis à un moment donné, il y a une petite friction qui va être un peu plus violente que d'autres et ça va créer un tremblement de terre. Donc, c'est ce qui risque de se passer aux États-Unis. Pour celles et ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, je vous avais parlé de l'importance du mois de mars pour le personnage qui est l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Voilà. Il va arriver à l'apogée de son cycle qui l'a mené au pouvoir en 2016, 2017 exactement, hein. Donc, ce sera très intéressant d'observer ce qui va se passer autour de ce personnage. Attention, je ne suis pas là pour vous dire exactement ce qui va se passer. Ça n'a aucun intérêt. Hein. L'astrologue n'est pas là pour vous dire ça va être passé comme ci, comme ça, comme. Non, ça, c'est là, on est sûr de perdre. Puis surtout, ça n'a tellement aucun intérêt. C'est pas ça l'astrologie. C'est pas de prévoir ce qui va se passer. Parce que prévoir ce qui va se passer, ça veut dire qu'on n'a plus du tout de libre arbitre. Il y a juste une ambiance. Voilà. Et l'ambiance, aujourd'hui, elle est vers une renaissance, vers une acquisition de souveraineté individuelle, mais aussi nationale, hein, pour les pays. Et c'est très intéressant de voir ce qui va se passer autour de ce personnage, Donald Trump, qui n'a jamais baissé les bras depuis 2020, qui s'accroche toujours et qui compte bien revenir sur le devant de la scène. Moi, tout ce que je peux vous dire,
c'est quand je vois les astres et les astres autour de son thème, c'est que je ne sais pas de quelle manière il va le faire, mais il va revenir sur le devant de la scène. Ce n'est pas fini pour lui. Est-ce qu'il va redevenir président? Je n'en sais rien. Mais il va revenir au top, ça c'est sûr. Sous quelle forme? Nous le verrons. En tout cas, la Constitution américaine est en plein renouvellement. Il n'est pas impossible, de ce fait, qu'on assiste à un renouveau de la Constitution américaine, peut-être à des modifications, un nettoyage, un lessivage. Hein, vous savez, les États-Unis, depuis le début, ont fait un pari. Le pari de mener à bien à la fois une union collective, l'union de ce qui est 50 États aujourd'hui, autour d'une valeur commune qui est la liberté individuelle. N'oubliez pas que le premier amendement de la Constitution américaine concerne la liberté d'expression, qui donc garantit les droits fondamentaux du citoyen, de l'être humain. Voilà. Alors c'est un grand pari, un joli pari, bien risqué. Ils ont eu beaucoup de mal à l'amener à son terme, hein, et puisqu'on n'y est toujours pas, surtout en ce moment. Mais c'est ça, la promesse des États-Unis, c'est de pouvoir se réunir, de pouvoir créer une union autour de l'idée de liberté individuelle, de souveraineté populaire. C'est la Constitution américaine commence par ces fameux mots "We the people", nous le peuple. Donc, ce qui va commencer aux États-Unis va se propager comme une onde, hein, une vague sur l'ensemble de la planète, va finir par toucher la France à un moment donné. Alors, j'ai entendu dire à droite, à gauche, par des collègues, confrères, consoeurs, voyants, que la France serait parmi les derniers à se réveiller. Et je dirais que ce n'est pas impossible. De fait, au niveau des astres, pour moi, la France va commencer à sortir de l'ornière en 2025. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer d'ici là. Hein, parce que je vous vois venir, ah oui, mais il y a le gamin, il nous emmerde. Ben oui, bien oui, il nous emmerde. Mais regardez, il s'emmerde tout seul aussi. Hein. La preuve, c'est que on le voit quand il est dans un stade, le pauvre garçon, il n'en peut plus. Il a besoin de se libérer. Je dis, ah, mais encourageons-le à se libérer, prions pour lui. On en discutait l'autre jour avec Nathalie sur un de ses lives. Ça peut vous paraître complètement fou, mais nous devrions en ce moment tous prier pour son âme, pour qu'elle puisse trouver la force de se libérer de maman, notamment, hein, enfin de maman, vous voyez de qui je veux parler. Voilà, maman, papa, je n'ai pas trop compris, et puis on s'en fout, mais il y a une nécessité pour ce garçon de se libérer, on le voit, il a un besoin, on l'a vu l'autre jour sur le stade au Qatar, il n'en pouvait plus le garçon, mais c'était un bon signe. C'était un bon signe. Bon, ok, il n'était peut-être pas. Voilà. Mais bon, je rentre pas dans le détail, parce que je n'en sais strictement rien, même si on a quelques soupçons. Mais moi, je l'encourage à vivre sa vie, quoi. Qu'il se libère. Parce qu'en se libérant, en même temps, il va nous libérer. Donc, c'est pas mal. Hein. Voilà. Et puis. De toute façon, c'est la meilleure façon pour qu'il soit. Le moins nuisible possible dans la position où il est, parce que malgré tout, il faut accepter le fait qu'il est à la tête, enfin, il occupe un certain palais aujourd'hui. Bref, je vais pas rentrer dans plus de digressions, mais je vous assure, et c'est, allez, si, j'irais presque, il faudrait faire un mouvement de prière pour lui le 21 janvier prochain. Alors, pourquoi je parle de cette journée-là? D'abord parce que pour la France, le 21 janvier est une journée extrêmement importante. Hein, c'est quand même là où l'obscurité a commencé à s'installer en France. C'était un 21 janvier 1793, le jour où nous avons coupé la tête de la France. Là, je parle en termes de symbole. Je ne suis pas en train de faire l'apologie d'un système politique par rapport à un autre. C'est pas du tout ça. Je parle en termes de symbole. Le 21 janvier 1793, on avait tomber la tête du roi. Donc, symboliquement, c'était faire tomber la tête de la nation, le soleil. Le soleil, c'est la conscience.
Depuis, vous aurez remarqué, hein, il ne suffit pas d'être grand clerc pour comprendre que la France vit dans l'instabilité politique depuis 200 ans. Un peu plus de 200 ans maintenant. Hein, on a connu tous les régimes en 200 ans, quand d'autres pays, comme les États-Unis, ont une stabilité totale. En tout cas, sur le régime politique. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Donc, la France, elle va continuer dans cette année 2023 à subir les soubresauts politiques. Effectivement, actuellement, nous sommes dans une forme d'instabilité politique, surtout sur la dernière lune, là, la lunaison qui commence aujourd'hui. Je serais curieux de savoir ce qui va se passer dans 15 jours au moment de la pleine lune. Nous verrons bien, mais effectivement, la Ve République aujourd'hui, enfin, c'est la Ve. Autant vous dire que la Ve, elle n'existe plus. Hein. Elle a été largement bafouée, massacrée, mais les institutions sont devenues tellement instables que, effectivement, en ce moment, ça devient un peu tendu. Mais pour moi, au final, la France devrait complètement se libérer qu'à partir de 2025. Comment ça va se faire? Je n'en sais rien. Je peux juste vous donner l'ambiance. Donc là, c'est un petit peu rocailleux, sachant que dans tout ça, ça va toujours aller de mieux en mieux. Avec quelques petits bouleversements, quelques petits aléas, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est inéluctable, le mouvement est en cours et ça va y aller, que l'on le veuille ou pas. On ne peut pas arrêter un cycle. La loi des cycles est immuable. Voilà, et bien là-dessus, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très jolie nouvelle lune, une très belle fête de fin d'année, un joyeux Noël, et puis surtout, je vous donne rendez-vous le 24 décembre, un rendez-vous spécial. Alors a priori, on fait ça sur ma chaîne, un rendez-vous avec mes copines Agnès Tarot et Caroline Voyance, que je salue, que j'embrasse, plein de bisous partout. Non, pas partout, pardon. Un bisou sur la joue, ça va suffire. Désolé. Enfin, voilà, je ne sais plus ce que je dois dire maintenant. Bon, vous couperez vidéo. Bref, les filles, je vous embrasse. Hein, oui, le cœur y est, mais en tout bien, tout honneur. Alors, on vous donne rendez-vous sur ma chaîne le 24 décembre à 18h pour un live spécial pour celles et ceux qui seront seuls malgré eux pour ces fêtes de Noël. On veut penser à vous, on veut passer un petit moment avec vous. Donc, on vous retrouve le 24 décembre à 18h sur cette chaîne. En attendant, je vous embrasse tous. C'est un mauvais jeu de mots. Et puis, ben, si on ne se revoit pas d'ici là, joyeux Noël.